tu veux rouler, roule en Unième Temps bien, de toute façon. Bah, on va peut-être éviter en plus de foutre de la merde par-dessus le caca, ça quand même dommage. Ouais, pas bon. Il n'y a plus que 3. Il y a que deux teams, la team Lithium et la Blue Flag qui sont inscrits. Ah, j'y suis. Ah voilà. Je suis in-game. Ouais, et Untrees, on est bah toujours 100. Et début de la qualif, il reste 6 minutes. Qu'est-ce que je fais? Je baisse le carburant? Ouais, mais fais gaffe, que t'as vu ce que ça donnait quand tu l'allais, hein. Ouais, ouais. Je vais pas baisser trop, je vais juste mettre 40 litres. Tu passes de 120 à 40 litres? 60. N'oublie pas de mettre le plein. Bah ça c'est moi qui m'en occuperai. Donc faudra mettre le plein. Allez, je pars pour la qualif. Il reste 6 minutes, je vais pouvoir faire un tour, je crois pas deux. Je vais être niaise. Oui, je vais tenter quelque chose. Parce que je crois que ça marche. Andy. Voilà, pas de qualif. Quoi ? Pas de qualif, fini. On n'est pas rentré assez rapide. Et du coup, on est éliminé ? Bah non, on est dernier, on n'a pas de qualif. Ah putain ! M'a fait peur. Je remets 120 litres. Après, c'est moi qui flippais, hein. Ah non, mais attends, tu il me dit on fait pas de qualif, je dis ah bah c'est non, fini. Non, qualif fini. Attends, moi j'ai Olivier qui me dit hello. Non, bon, écoutez. Hop, j'ai mis le plein. Ouais. Enfin, le souci, voilà, c'est que nous, on n'est pas là. Donc, je me rappelle quand il va normalement quand il va s'élancer, ça va venir. Je crois pas une seconde. Non. Ah, j'y crois pas une seconde. Enfin, bon, on va voir, hein. Mais j'y crois pas une seconde. Normalement, on peut se reconnecter à partir du moment où on est sur la page d'accueil de D-Racing sur Internet. Ah. Bon, reste là, moi je tente. Au pire, s'il y a un souci, vous êtes deux. Ouais. J'ai une session. Maintenant, je vois. Tu le vois ? Je vais voir. Ah, je te vois connecté, donc t'es revenu dans la même session. Ok, bon. On part dernier, hein, de toute façon, les enfants. Bon, c'est pas grave. Je suis désolé, Oli, je t'ai remballé, mais. Il m'envoie hello, je fais, on va partir, je suis désolé, la course. J'ai bien mis mon TC. Par contre, je vois pas. Alors, on peut rien faire pour toi pour l'instant, tant qu'on n'est pas. Non, je vois. Ok, je peux démarrer. Formation ? Ouais.
Mais je pars dernier, donc quoi qu'il arrive, va falloir... Ah, je suis pas en crew chief, ça bloque en radio. Génial. Oh, max ou pas? Allez, je démarre le tour de formation. Plus d'âme. Allez, on va partir sur du vert. Ça va partir, les enfants, vous êtes prêts? Ah, on te voit pas. Tout est prêt déjà au niveau du réglage et du setup. Allez, drapeau vert, c'est parti! À off-track, évitez une voiture à la dérive. Il y en a dans tous les coins. Ah, c'est le fond du fond là. On est avec Zoltan. Guillaume Moreno, vous le voyez? Non, on voit rien. Vous essayez de rentrer dans la session là? Ouais, j'essaye. Ok. En même temps, en partant dernier, on peut finir que mieux si on finit donc. Allez. Ah, ça charge moi. Un tour de fait. Et pour toi? Ah, perdu une vie. Voiture sur le toit, la chicane. Quarante-septième. Car stop the head. Je vous rassure, j'ai toujours mon spotter. Il y a beaucoup de mises à jour des skins, hein. Des... comment? Trading Paints. Yep. Ça refresh beaucoup chez moi. Andy est connecté chez moi.
petit update. On est 45ème sur 55, je crois, un truc comme ça. Pas de panique, on arrive, on va trouver la solution. Ok. T'es connecté chez moi, donc. Ok, gros accident à la chicane. De voix, Max. Ok. On est monté 39ème. Joué. Voiture très délicate. Gaffe, le mec est juste derrière toi, c'est bon, il est en train de lâcher. Il a des dégâts, il était pris dans le gros accrochage de la chicane. Il reste collé à ton fion. Il reste collé, pour l'instant il n'attaque pas. Ne me dis pas, me parle pas, je le vois. S'il n'y a pas de changement, je le vois. Ok, c'est bon, je vous vois. J'ai toujours mon spotter. Hein. Ah, je suis bien, mais je suis en double en fait. Voilà. Bon, il est parti. Dis juste gauche, droite, clear. Ok. 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 Gauche.
clear. Oh, trou du cul. Quel enfoiré. On y prépare. Ouais, attaque. T'as tapé fort ou pas fort? Pas tapé fort, il m'a juste mis en tête à queue en fait, pour faire perdre tout ce que j'avais gagné. Culé de Taras! Je le savais, je le savais! Je le savais. Bah, pas 3 heures. J'arrive pas à refresh la peinture. Incroyable. Voiture état impeccable. Pas de changement. Juste beaucoup de temps perdu. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Par contre, vous me le retrouverez. Hein. Je vais lui expliquer comment ça marche. Quoi. J'ai rien pris, je crois que j'ai même pas pris un off-track ou quoi. Si t'as eu un x5, moins 4. Putain de merde! Ça me fait x5 au total, je crois. On est à 525. Pour tout le monde, non pour moi? Non, pour tout le monde. Ah! Putain. Bien. Je crois que c'est lui qui m'a attendu, non? Non, je crois que c'est lui. Si, si, c'est la même voiture. Elle était abîmée, elle avait les mêmes couleurs. Ah, mais c'est Stéphane Bossard! Ouais. C'est une simple vengeance. Comment ça? Eh oui, la Mazda Cup, ça vous dit rien? C'est lui? Bien sûr que oui. La Mazda Cup, je me rappelle plus. Le jour où il s'est fait défoncer. Oh l'enfoiré! C'est lui que t'avais engueulé, c'est ça? Non, celui qui m'avait mis dehors. Avec les 0-100, t'as repris un peu de place, t'es 41ème. Yep. J'ai pas la livrée de la voiture. T'inquiète, c'est pas grave ça. T'empêche pas de rouler. Ah non, non. C'est la verte dégueulasse. Bah, un petit peu plus de 5 secondes sur la personne devant, mais tu reprends du temps. Derrière, t'es tranquille. Il est rentré au box. Ouais, il est rentré au box. Tiens, derrière toi, 7 secondes, mais c'est retardataire. Ok, merci. À vérifier le prénom, hein, mais je crois que c'est lui. Ouais, je serai après, t'inquiète pas, Max. Ouais, non, je m'inquiète pas du tout. Celui qui t'a attendu, c'était ça. Bah, s'il m'a attendu, c'est cool de sa part. C'est honnête, parce qu'il m'a vraiment mis un tampon sans raison. Oh, il a pas dû t'attendre, la voiture était plus défoncée qu'avant. Je pense. Il est rentré au stand, c'est qu'il y avait un souci. Oh bon. Allez, ça tourne bien. Comportement correct. Toujours pas bougé ni le TC ni l'ABS, toujours à 5-7. Je suis concentré, hein, ça m'est passé maintenant, peu importe. La course est longue. C'est pas grave. Pas le temps. Oh oui. Au niveau de mes chronos, je tourne en combien là? En 2-0-5-2. C'est beaucoup, je trouve. Je pourrais tourner une seconde plus vite. Rappelle-toi, t'as le plein par début de course. Yep. J'ai pas cherché à faire mieux, hein, je continue dans mon rythme. Ouais, t'es en 0-4-2, là, c'est bien. Ok.
La deuxième a pas voulu rentrer. C'est pas grave. Dire que la course ne compte pas. Pardon ? Non. Regarde le numéro, on est le 017. Et alors ? Bah elle compte pas. Mais non, c'est le numéro de la voiture, c'est Emery. T'es sûr ? Oui. On engage le numéro de voiture. C'est le numéro de la voiture d'Andy. Attention inside. Ouais bah heureusement que je regarde. Ouais. J'ai pas vu freiner comme ça, désolé. Il a fait une attaque suicide là. Non bah j'ai dû laisser ouvert parce que... What? Ouais ouais, je l'ai laissé partir, de toute façon il a l'air d'être plus rapide le garçon. Il m'a repris 3 secondes en un tour donc ça sert à rien. Je sais qu'en moteur les Mercedes je peux pas trop jouer de toute façon donc... Rien à faire. Déjà qu'on n'a pas la meilleure voiture de la saison. Tout ce qu'on a cru m'expliquer. Donner le temps de course, s'il vous plaît. Tu as fait 20 minutes. Merci. Et qui s'excuse, je sais pas si t'as entendu. Non. Stéphane machin, il a dit excuse-moi Maxou, je savais pas que c'était toi la chicane. Bah, même si c'est pas moi. Moi ou un autre, ça change rien, ça se fait pas. Ah. Mais bon. Ça arrive, peu importe. C'est fait. Ça arrive à tout le monde, ça peut m'arriver aussi moi de taper dans quelqu'un de toute façon. Personne n'est à l'abri. Et puis avec 60, quasiment 60 voitures au départ, c'est compliqué de pas se toucher. Allez, on est remonté, 37ème, c'est pas mal. On va voir qui va oser faire le... T'as un mec qui met quoi, tu te serais pas excusé si c'était quelqu'un d'autre. Ça je veux pas entendre, honnêtement. C'est vrai que c'est New York unité spéciale, c'est tung tung. Ah. C'est de canard en plus. Non mais il veut s'excuser, c'est déjà cool. Allez. Mais reste bien concentré Max, c'est bien ce que tu fais pour l'instant. Éléments, j'arrive à tourner en 2-4, ça me convient. T'as fait un tiers de ta course, tu ferais gaffe, t'auras dans quelques minutes un drapeau bleu. Ok. Ouais, j'ai vu le leader qui est remonté dans le classement, effectivement je l'avais pas vu, à 11 secondes. Yes. J'espère pas me le taper dans les S, 11 secondes, pour voir à quelle vitesse il remonte. Ouais. T'inquiète pas, je te préviendrai, roule.
La chicane en deuxième, c'était volontaire. Hein. Je viens de remettre mes gants avec mes dents, comme quoi tout arrive. Et je vois que ça remonte, pas trop vite, c'est cool. Je vais l'avoir, j'espère, dans le troisième secteur. Et on a fait un petit rapprochement, les 37, c'est bien. Ouais. On a repris ce qu'on avait perdu après l'accrochage. J'étais 35, 37, je crois. 36. La poire en deux. Allez, t'as 4 secondes du Blue Fly. On n'a pas de fast repair. Fais attention, t'as deux blue flags, ensuite c'est une voiture qui a un tour. Ok. Deux Mercedes. Allez à gauche. Clear. J'attends la deuxième. S'il faut, je soulage avant les S, mais. À gauche. À mon avis, ce sera passé. Clear. Bon. Nickel. Ah oui, d'accord. C'est pas du tout mon niveau devant. Pas du tout. Je sais que c'est un retardataire derrière. Hein. Ouais, c'est un retardataire, fais quand même attention. Ouais. Gauche, droite, pardon. Pire. Gauche. Voiture numéro 7, donc à mon avis le garçon doit être doué. Voilà. Clear. Ça doit être un leader qui a eu un souci de toute façon. Donc. Vu comment il roule, ouais. Voiture très abîmée. Attention, t'auras un drapeau bleu dans 2 minutes. Enfin, dans 2 secondes, pardon. Yep. Je vois ça. Je viens d'avoir le premier. Sven. Yep. La voiture juste derrière, c'est un drapeau, c'est une voiture qui a un tour de toi, donc roule. Stéphane Langelier, ça me dit quelque chose. Gauche. Ouais, ça marche. Clear. Après j'ai encore deux leaders. Ok, ça marche. Je peux juste attendre jusqu'à la chicane parce que là, dans les degners, ça va être compliqué. On s'affole pas de toute façon. Pas d'intérêt à s'affoler. Pas de souci. Le prochain pilote à la régulière derrière moi, il est où?
en termes de temps. J'ai d'avoir ça. Il est loin, il est là. Le mec il t'a dit merci Maxou. Oh, c'est retardataire derrière ou pas? C'est un mec, c'est Stéphane. Et il est pas dans le même tour que toi, mais tu peux le laisser passer si tu veux. Attention, il va te toucher. J'ai pris un quart contact. Il est sorti. J'ai pris un quart contact. C'est qu'un foin, c'est pas grave. Ouais, mais c'est évitable ce genre de choses. Il aurait pu attendre, enfin je suis désolé. J'étais un petit peu au milieu, mais bon, je fais ma course aussi quoi. La prochaine personne qui est avec toi, c'est Jill qui a 11 secondes 5. Ok, il vient d'apparaître sur mon tableau, merci. C'est le seul qui est dans le même tour que toi, vous êtes que deux dans le même tour. Ok. Donc on est deux à un tour du leader. C'est ça. J'en suis où de mon stint? T'es quasiment à la moitié, t'as 2 minutes de la moitié, t'as fait 28 minutes. Ça se passe pas mal, c'est bien. T'as 2 blue flags pour bientôt. En 4 secondes. J'ai 4 secondes dans les S, ce sera pour l'épingle. Hildegner. On verra bien. Je suis très précautionneux. Trop vite. J'ai de la chance. Reste concentré, tu fais des montants, c'est bien. J'ai mis un plus en ABS et en... Marche. Et en TC parce que... Bon, blue flag, t'en as un, puis t'en auras un autre 3 secondes après. Attention, elle est passée. Ouais, je l'avais perdu. J'oublie pas l'autre, hein. Ouais. 2 secondes. Lui qui est dans le même tour que nous, qui a 8 secondes 5, mais c'est juste parce que tu as laissé passer l'autre. Ne perdez pas de tension. Pense à ton deuxième blue flag. Mm-hmm. Il est loin, hein. Je peux prendre une pénale si je l'ai pas passé ou c'est jaune? Donc non. C'est à lui de me rattraper. Ok. Attention, il va tenter peut-être. Il plonge. Parfait, merci. Je crois que c'est la première R8 qui me double. Peu déventé, j'étais un peu trop vite, mais ça se passe. Je pourrais aller tellement plus vite si j'apprenais comme eux à prendre cette sortie de DS. Mais bon, ça viendra avec le temps. Ça. Oui. Non, c'est ça, t'inquiète. Vas-y. J'ai un retardataire à 8 secondes, mais pas de panique. Allez, c'est parfait. T'es à la moitié de ton stint. Il te reste encore. T'es à la moitié de ton essence, parfait. Il reste combien d'essence? Il reste 64 litres. Tout va bien. Ça va être tout juste. Alors, faudra pas se couper un tour près.
c'est trop juste au niveau des 3 heures, on fera un tour de Lift and Coast, un ou deux tours. Au pire, reste la chaîne d'âge dans le dernier tour. C'est vraiment... J'ai légèrement bloqué à l'avant, ça commence, mais j'ai pourtant augmenté l'ABS et le TC, donc surveille. Il n'y a eu aucune fumée, aucun blocage, je pense. Ah, moi je l'ai senti, ça a vibré sur les freins. C'est l'ABS. Ouais, t'es tranquille au niveau des écarts, tu peux dérouler. Je sais pas si la piste gomme ou quoi, mais j'ai une deuxième jeunesse dans les pneus, ça va un peu mieux. Fais attention au retour de bâton si jamais. Derrière toi, t'as deux drapeaux bleus. Dans la seconde. La voiture m'a échappé un petit peu. Ah, j'ai vu. Et ça va dépasser. Side. Clear. Side. Clear. T'en as deux de suite, encore deux de suite. Il reste 55 litres gauche, 14 tours, donc on est large au niveau. Ok, le deuxième est loin, non? Le deuxième est un petit peu plus loin, il est de seconde 5. Clear, c'est bon. Je soulage un peu plus tôt avant. Histoire de pas le faire paniquer, pour moi de pas paniquer. Aimerie, regarde.
Ombrick, regarde tes messages, s'il te plaît. Allez, une, il est à 3 dixièmes, attention, il va vouloir dépasser. Ouais, vu. Bon ? Parce qu'il faut que j'enlève l'essence. Gauche, clear. Bah laisse-moi le temps d'enlever l'essence. Hein. Ok, derrière toi c'est un drapeau bleu et ensuite c'est deux. T'as un retardataire et c'est deux mecs en avance. Ok. Donc les Mercedes en avance, l'Audi c'est un drapeau bleu. C'est un ancien. Il a un tour de retard. Il y a l'intérieur. Encore intérieur. Reste à l'extérieur. Reste. C'est que des mecs en avance. Donc, pas de pression. Y'en a plus ? Pas pour l'instant, non. L'autre il est à 6 secondes derrière. J'en ai un à 2. Ah, un 4, ok. Il arrive sur toi, c'est la Mercedes blanche derrière toi. Ouais, je vois, je vois. C'est 5 secondes et 6 secondes. De passer à l'intérieur. C'est bon, c'est clair. Il était loin sur les freins. Donc il est derrière, c'est à 3 secondes 3 et 4 secondes. C'est bon. J'ai l'impression que j'ai attendu réaction de les freins, je vous préviens juste. Hein. Vous savez, ouais. J'appuie et il y a quelques dixièmes avant, ou quelques millièmes, enfin c'est avant que ça réagisse. Donc j'ai une latence dans les freins. Et là je reste en 4 pour être un peu plus souple parce que ça glisse en ce moment. Alors, je vais mettre en 3 pour la relance, mais dans les S c'est compliqué avec à ce stade-ci. Regardez quand je vous donne des infos où j'en suis dans le carburant, ça vous aidera peut-être quand vous aurez des infos avec la latence. Il y a 50 litres là, voilà. C'est la phase critique, les 50 litres. Je suis entre deux comportements. Et lourd. Ouais, c'est le 50. Allez, il te reste 20 minutes. Ok, tout va bien chez moi. Drapeau bleu, je vois que j'en ai rien. T'as des blue flags. On a 3 de suite. Ah, t'en as 2 de suite, un plus loin. Attention, il y a eu un dépassement devant. Ouais, je vois, il y a un retardataire. C'était juste pour vous dire coucou, messieurs. Ouais, mais ouais. Rodrigue, on est en course, merci. Ça faudra régler. Bon. Allez, merci à Maxime pour ce petit coucou. Ah, c'était Rodri. Ah, j'ai cru que c'était Maxime Monet à la voix. Bref, peu importe. Et lui, c'est Thomas Pinot, de toute façon. Allez, attention, ça va vouloir te dépasser. Là, s'il a pas compris que je l'ai vu et gauche. Qu'il peut y aller. Il est pas encore gauche. Ça y est. Wow. Bien. Attention derrière. Je sais pas si j'ai pris un. Ouais, 7 sur 25. Bah, c'est pas. De toute façon, on est à 8 par personne avant d'être exclu. On est pas mal. Bien, c'est bien. Ouf. Bon, là c'était chaud avec la jaune qui s'est remise juste sous mon nez pour la trajectoire du 130R, mais ça va. De vent difficile. J'ai chaud. Quand j'étais ado, j'en faisais des relais de 2 heures en pleine nuit, alors c'est pas ça qui va m'arrêter. Je vois que j'ai encore des retardataires, mais il y a 5 secondes, on est large derrière. À mon rythme, t'es toujours dans le au-dessus, enfin t'es toujours dans les 2 204, c'est bien.
Généralement, quand je suis gêné, j'essaie de pas monter au-dessus de 5. Quand j'ai la tour propre avec la voiture en confiance, je peux descendre à 2-3, mais pas mieux. Pas mieux pour le moment. Pare-brise dégueulasse, pensez au tir-off aussi. C'est fait. Y'a un mec qui a gueulé pour ton retour en piste. En même temps, fallait bien que je me mette quelque part, hein. Ouais bah. Si c'est la mauve, je comprends tout à fait qu'il ait râlé, j'aurais râlé aussi. Mais bon, dans le 130 R, c'est pas toujours simple. Non plus. Mais je comprends, y'a pas de soucis. Je m'excuse. Si tu peux m'excuser. Bah là, il est trop tard, mais c'est parce que c'était tout à l'heure, c'était pas pour le gêner. C'était en vocal ? Non, 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 non. Je suis en vocal, vous allez m'entendre parler. Ok. Oui, je suis prêt. Je te préviens tout de suite, t'auras deux blue flags qui sont vraiment l'un collé à l'autre. Ouais, je vois 3-3 et 3-5. Je prie juste de pas les avoir dans les S. Reste 11 tours d'essence. Et mon steam, combien de temps ? 7 minutes, tout va bien. À bord, tout va bien aussi, la voiture parfaite. Alors la question, est-ce qu'on la répare ou pas ? Il y a beaucoup de dégâts ? C'est au cul, c'est tout. Non. Franchement, j'ai aucune altération avec le comportement de la voiture de base. Ok, un rôle. Je sens rien du train arrière qui... C'est vrai, c'est vrai. Qui vibre ou quoi. Nickel. Quand je suis dans l'allée des stands et que je descends, avant mon arrêt, rappelez-moi de bien regarder où est mon stop. Où est mon box. Parce que ça, on le sait pas avant. Je vois les deux loustiques derrière, hein, donc pas de panique. Tu vas gagner des places, abandon de Zoltan devant toi. Ah, dommage Guillaume. De revenir sur toi, une seconde 2, une seconde 1. Ouais, ça arrive, mais je crois que je vais laisser après la chicane dans les droites des box. Droite. Bien. Attends, tais-toi, je vois l'autre. Je sais quoi faire. Voilà, merci, désolé. C'était juste que je savais quoi faire. Marche. Et on est 33. 32. De off-track, hein. Juste une grosse frayeur. Ça commence à rentrer au box pour certains devant. Andy, je te laisse la voiture avec un TC à 6 et un ABS à 8, ça ira ? Ouais. Tu veux que je le change ? Non, je modifierai très vite. Alors je devrais plus trop le bouger. Combien de temps ? 14 minutes. J'en avais 7 tantôt. Non, 17. Ah ! Il te reste 10 tours d'essence. Ok. Et en termes de temps de course, on en a fait combien ? 45. Ok, merci. Thank you.
Pour info, Matisse est rentré, c'est Looping qui a repris la piste. Ok. T'as deux drapeaux bleus derrière. Ouais, j'ai vu qu'ils sont séparés de pas grand chose. En 25ème, on est 31, on remonte, on remonte. Pas de panique. On doit s'arrêter aussi. Ah oui, y a une ribambelle derrière, ils sont 3 là. T'as deux blue flags, et ensuite l'autre est à un tour. Ouais. Et bon appétit. Merci. Troisième, passe. Oh, t'inquiète. Si on me laisse l'espace, je me fais tout petit, y'a pas de problème. On a un juste derrière à 8 dixièmes. Yep, j'ai vu. Je crois que je vais laisser filer avant le 130R pour éviter la bêtise de tout à l'heure. Et je vais pas me tenir trop près des 3 loustiques devant parce qu'ils ont l'air d'être un peu à la bagarre et j'ai pas envie de prendre un démarche collatéral alors que ma course est plutôt propre. Allez. On va te dépasser à gauche. On part tout à l'heure en fait avec la SLS, enfin avec la LG, mais ça s'est pas passé comme prévu. Alors t'inquiète pas, ton HUD va s'allumer pour te dire qu'il te reste que quelques tours de course de fuel, mais c'est largement assez. Ok, tant que j'ai toujours ma boîte de vitesse, pas de problème. Mec, je te laisse le spotter pendant 2 secondes. Ouais. Alors pour info exactement, tu vas devoir faire 6 tours et il te reste 8 tours. Ok, 6 tours à faire, 8 tours de carburant. Non. S'il n'y a pas assez, je te fais rentrer avant. Ouais, pas de soucis. Les deux derrière sont à 10 secondes tout le temps. Je suis cool maintenant, c'est clair. Pour info, tu reviens très fort sur le pit lane Racing Junior. C'est noté, copie. Ils sont combien t'avais dit? Ils étaient 25, ils sont descendus en 28. Et nous on remonte, on est 31. Ok, mais ils viennent de rentrer hein. Ah oui, ils ont fait le plein et tout. Donc on va perdre des positions. Ah nous, pas tant que ça, faut voir où est le précédent après nous, mais... Il a un tour de retard. Sur nous, ouais, donc on est bien. On était tous les deux dans le même tour, on était 31 et 32 tout à l'heure avec le même... On était que deux dans notre tour, donc on est tranquille, nous. C'est nickel. J'aimerais bien vous rendre la voiture en 30ème place, ce serait un beau premier stint pour moi, sans faute. Très très tard sur les freins, j'ai eu beaucoup de mal sur cette chicane. J'avais rien du tout dans les freins, j'ai pu pomper. Ah bah là elle est légère, hein, c'est 29 litres. Je crois que je vais peut-être augmenter un petit peu le TC. Passer à 7 de TC, on sait jamais. Un peu de précaution. Je suis à 7-8. En 4 tours tu devras rentrer.
pour info, on a eu la grosse vague des dépassements, maintenant c'est autour des mecs devant nous. Ok. Le junior team il va arriver en plein temps là. Zoltan n'a pas abandonné, elle a juste été en réparation. C'est cool, tant mieux. C'est ce que j'ai regardé plus tard, je surveille pour pas. J'aurais été dégoûté pour lui. Bien ce que tu fais, t'as toujours des temps constants. 2-0-3, c'est bien. La voiture devant toi rentre au box, le concurrent direct. Ok. Andy, TC à 7, ABS à 8. Marche. Encore 3 tours max. Ok. Tant que j'ai réussi à dépasser les 60 minutes, on est bon. Tra, ça va jouer à une minute. Non mais tant qu'on la passe, c'est bon. Tant qu'on passe l'heure avec le plein, on sait qu'on peut faire une heure pleine avec un plein, donc on peut faire 3 relais. On lui largement, pas largement, il va rester pas grand chose. Pas grand chose, c'est pas une pâte d'essence. Il reste 2 tours d'essence de secours. Ok, nickel. En cas de safety car, lol. Pardon. Je sais pas où vous en êtes dans vos passages de boîte, mais moi, quand je sors de l'épingle à gauche, l'épingle serrée, que je repars vers Spoon, avant les doubles gauches de Spoon où on fait 3 puis 2, je passe généralement là à fond de 5ème limite au rupteur. Je mets pas en 6 pour redescendre après pour pas perdre de temps, je vous le dis. Parce que depuis le début de course je fais comme ça et ça a l'air de bien se passer. Quand t'as un blue flag, t'as qu'un seul. Je suis arrivé un peu en survitesse là dans le premier droit. On soulage, on laisse corriger. Il t'a une seconde. On m'a dit qu'il me reste 5 tours de carburant, je vous le dis. Ouais, c'est normal. Il va vouloir te dépasser. Il passe. Bien. Et au niveau des teams, on est l'un derrière l'autre. Prochain retardataire à 3 secondes 5. Merci. Putain, la deuxième est pas rentrée dedans, désolé.
prochain tour tu rentres. À la fin de celui-ci ? À la fin de ce tour tu rentres. À une seconde 3. Ok. Une seconde 3, ça me permet de tenir jusqu'à la chicane normalement. Beaucoup de sous-virages d'un coup là, beaucoup de sous-virages. Ah, t'es super léger, presque 17 litres. J'avais pas ça au tour précédent. Attention, il dépasse à droite. Okay. Je crois qu'on voit un message, Emric. Oui. Faites très attention, le dernier tour du stint, on dirait qu'on est revenu au setup de base au niveau de l'arrière. Très très peu d'appui. Donc n'hésitez pas à être un peu plus coulé. Pas lire, Emric. Ah, c'était tout à l'heure, c'était pas mal. Vous avez entendu ? Ouais, ouais, ouais. Vous voyez la voiture derrière là ? Allez, glissez, glissez, glissez. Ça glisse très très fort. Ok, je rentre à la fin de ce tour, ok ? Ouais, tu rentres. Allez, box. Pense bien, regardez où est ton stand. Yep, merci. T'as des retardataires qui arrivent, mais c'est bon. Fais attention à la rentrée au stand. Vous l'avez vu ? Ouais, très tôt, d'accord. Je suis trop loin et j'ai pas de marche arrière. Voilà, ok. C'est bon ? Allô ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Putain, elle fait peur, les mecs. J'étais juste, quoi, 13 cm trop loin. Mais c'est chiant, on avait juste l'autre voiture, quoi. Et je trouvais pas la marche arrière, je suis désolé. Ça s'affiche. J'ai possibilité de faire des réparations optionnelles pour 39 secondes, je le fais ou pas ? Non. Pas besoin. Non, non, roule. Pas besoin, elle est parfaite. L'autre c'est un rageux, le Kenny, depuis tout à l'heure. Hein. Oh, Osef, j'ai rien vu. Bon, Ok. Bon, je reprends l'essence. Ouais, t'es à 120, c'est bon, il te change les pneus. Emric, tu spot ? Ouais, ouais, j'attends la fin du... Ok. Top et... On est très bien, on est dans le top. Les deux pneus avant sont changés. On est dans le top 30, c'est très bien. On est très très bien. Ton pneu arrière gauche est changé. L'arrière droit est changé. On est parti. Go. Attention au limiteur qui soit bien activé. Tiens, prends la place, Max. Allez, c'est parti. Fais gaffe quand tu vas sortir, il y a un mec qui. Il y a deux voitures de front. Reste ouais. À droite. Fais gaffe, hein, reste bien okay, là. Ok, c'est bon, c'est allez, bon. C'est bon, tu peux y aller. Il y a une Audi qui est juste derrière toi, fais gaffe. Nickel. Devant toi, c'est la Junior Team. N'oublie pas ton TC et ton ABS, il est à 7-8. Derrière toi, c'est un mec en retard, mais vu qu'il est plus léger, il va te passer. T'as que des retardataires derrière. Parfait. Les voitures semblent bien. Bon, c'est comme si elle était neuve, pas de problème. Parfait. Pas de dégâts réparés pour le moment. Parfait. Donnez-moi bien au courant de ce qui se passe derrière. T'inquiète, oula, t'as fait un drôle de truc, le mec il a du pilier derrière. C'est le boulot d'Emeric, moi je me tais. Il n'écoute qu'Emeric pour ça. On a deux chopes à tape derrière, donc ils vont passer sur. Ils se bagarrent entre eux, mais.
Et laisse les passer, ça risque pas le coup. Les plus lourds, ils sont plus légers. Beaucoup de problèmes pour l'instant. Ah, nickel. Les deux sont passés ? Non, 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 il reste un. Il est passé, c'est bon. Vas-y. Préviens-moi là-dessus, mec. Derrière toi, il est à 3 secondes en dessous derrière. Ah, il te laisse passer, je comprends pas pourquoi. Oups. Ok, il est en panne. Pita mort devant. Derrière toi, il revient. Il est à moins d'une seconde. Beaucoup plus léger que moi. Je vais se passer ici. Okay. Il est à droite. Il est passé, c'est bon. Déjà en retard, mec. Essaye de voir si tu peux pas bien truquer les sur le live. Enfin. En TV2, j'ai. La caméra est trop loin. Tu veux que je spot un peu en de Emeric? Si tu veux. Tu es en bagarre avec le garçon derrière toi à 2 secondes. Il a un tour, non? Ah, il a un tour de retard, il est en bleu. Oui, oui. Ça marche, merci. Drapeau bleu, retardataire à 1 seconde. Drapeau bleu, voiture de tête à 1 seconde. À hauteur, c'est passé, clear. Retardataire à 1/2 seconde.
Emeric, tu reprends. Attends. T'es sur le direct. Toujours une demi-seconde, Andy. Que je scrute devant le plan. Ouais, c'est bon. Tu reprends ? Ok. Ouais. Ah là, il reste à 0,5, 0,6, ça bouge pas. Toujours, il cherche pas à attaquer pour l'instant, il te suit. Ok. Toujours, il a la spi, mais 0,4. Il tente pas. Un pot jaune devant. Je suis passé. Ah, c'est qu'avec l'écran, je vois rien. Mais t'es pas en live. Tu sais comment on reprend. Ouais, mais je suis. C'est ce que j'ai fait. Je peux pas être plus près. Ça sort des box devant. Ouais. Aussi le mec devant toi à 2 secondes 5. Tu es dans le même tour, tu peux gagner des places. Garde le même rythme, c'est bon. Derrière toi, il va tenter peut-être. Non, il reste sage. Et ensuite, derrière le mec derrière toi, tu as 2 voitures en avance. Tu vas mettre un tour. À 3 secondes et à 3 secondes 7. Alors le mec devant toi à 1 seconde 4 a un drapeau bleu, il va devoir te laisser passer. Et ensuite les deux voitures devant, c'est des mecs, tu es dans le même tour. J'ai eu affaire à l'Audi, elle est propre, mais il est un peu perdu quand il doit laisser passer au drapeau bleu. Il se décale mais il passe par derrière. Il est sage derrière. On va laisser passer si c'était vraiment plus rapide, mais il a pas l'impression. J'ai pas l'impression. Non, il sert de toi pour remonter. J'ai l'impression qu'il est plus rapide, donc je laisse derrière moi pour l'instant. Ouais. Je garde les temps en 2-0-3. Devant toi, tu remontes à 1 seconde 3 pour retardataire. Je sais pas si quelqu'un me regarde directement, mais est-ce que vous voyez que je fais des appels de phare ou pas? Attends. Là, je te vois de dos, donc je peux pas te dire. On fait? Ouais, c'est oui. Bon. Merci.
derrière la Mercedes qui est derrière toi, tu as 3 leaders. Marche. Ok, la Mercedes derrière toi, elle a laissé passer. Le blue flag que Stoffel rentre dedans. Les 3 derrière toi, c'est 3 bleus. Il y en a un dedans qui joue le top 5, donc il va être chaud. Et là maintenant. Vas-y, ce que je perds. Oh là là, c'est ridicule. Tu pouvais prendre la chicane et te décaler dans la ligne droite, Andy. Tu es obligé de t'arrêter quand il y a un drapeau bleu. Mais je voulais pas m'arrêter, je voulais juste en laisser passer un et je me suis complètement bloqué. Putain, quel con. Tu vois ici, tu pouvais te mettre à droite. C'est pas grave. Bah non, mais je sais bien, mais. T'inquiète. J'ai laissé passer que... Je l'ai laissé passer que le premier, ensuite me remettre, mais ils étaient trop proches. Il est derrière toi le premier. Et t'as un tour d'avance sur le garçon derrière toi au général, donc t'es large. Je vais pas me remettre sur la trajectoire ensuite, c'était pas possible. Ah non, mais t'as bien fait, mais... La prochaine fois, attends... C'est compliqué, sur... mais... Sur le... Sur les temps... Enfin, sur les relatives, gardez un oeil sur ce qui se passe devant, au cas où, si jamais vous voyez qu'il y a... C'est ce que je Il y a un ce mec que... sur lequel je perds beaucoup de temps... Enfin, je gagne beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'il a arrêté. Prévenez-moi au cas où. Mais en relative, c'est limité, donc on va pas trop loin non plus. Ah ouais, je suis bien, mais... J'ai quand même le temps de voir. Il revient fort derrière toi. Marche. Je vais laisser passer. Ouais, vu. Après, c'est 5 secondes derrière toi, 5 secondes, 6 secondes. T'as un paquet derrière toi. Marche. Ouais, j'en suis au niveau de mon stint. Là, il reste 45 minutes. Ça marche. Alors que ça s'énerve devant, en vocal. Tant pis, on l'entend pas. Ah, moi non plus. Mal passé le centre antérieur. Ça revient à 2 secondes 5 derrière toi, 2 secondes. Et le 7 et le 8 derrière toi, donc ils sont en pleine bagarre. Avec le plein, ce qui est très honorable. À une seconde derrière toi. Reviens-moi à 5 dixièmes. Attention, voiture arrêtée devant. Clear, bien joué, bien joué. 5 dixièmes derrière toi, c'est bon, il va. Oh ah, putain, mais quel con! Putain! Connard, va! Comment tu sens la voiture? Toi. Putain, il a mis les deux mecs devant, hein. Toi et un autre. Hein. Putain! Calme, Emmerich, ça sert à rien. Un x 4? Ah ouais, là, c'est total. Ouais. J'ai pris un x 4? Ouais. On est à 11 sur 25. On va regarder la voiture. Tu ne sens pas de différence? Ça va pas l'air. Ça va. Un petit peu, mais c'est moi. C'est parce que je vais en mettre l'accident. Ça va aller. Et derrière toi, il a 5 dixièmes, il a. Faut que tu laisses passer le drapeau bleu. T'inquiète, c'est pas grave. J'ai eu la même, t'as vu, j'ai remonté 30 places.
passe à l'extérieur. Putain, il y en a, ils croient qu'ils sont tous là. Ah, mais c'était trop long pour lui, t'as fait le push. Pas grave, remets-toi dedans. Encore 42 minutes. Il y a eu énormément d'abandon devant. Énormément de voitures à l'arrêt aussi. Ah, c'est énorme. Là, c'est 10 secondes derrière et c'est le fameux Stéphane Bossard, donc gaffe. Il y a peut-être un chouille plus de sous-virage. Hein, Mike ? Ouais, ouais, j'ai entendu. J'ajoute du brake bias à l'avant. À 9 secondes derrière toi, t'as le 8ème qui va revenir. Au niveau aéro à l'arrière, ça, c'est pire que... Ton aéro, y'a rien, c'est juste la carrosserie qui a pris cher. Petit extracteur. Plus qu'avant ? Un petit peu plus, mais tu le sens ? Non, non, c'est surtout pour savoir. C'est juste la traînée de la voiture à l'arrière. Mais pas l'aileron. Y'a aucun souci avec la voiture, t'es remonté en 2-0-300. Marche. Niveau de l'essence ? Alors. Il te reste 82 litres de carburant. Tu peux encore faire 21 tours. Au niveau du temps ? Il te reste 38 minutes. Il te reste 38 minutes de stint. Donc, tranquille, on continue. Et on est dans le top 30 avec les arrêts, c'est parfait. Les gars, reviens derrière toi à 5 secondes. Une question à la con, mais il n'y a pas moyen de savoir si, enfin, en quel état étaient les gommes de Maxou à la fin de. À la fin je t'avoue que c'était le bordel, j'ai pas regardé. Alors si je peux me permettre d'attaquer, entre guillemets d'attaquer, ou si c'est chaud au niveau des gommes, il faut mieux que je reste sur un.
continue ton rythme. Les gens vont graviter autour de toi et gagner, perdre du temps. Toi, tu vas en sortir vainqueur. Essaie de répéter le même tour, sans faire de faute, mais sans forcément gagner du temps, et tu vas en gagner naturellement. Trop d'infos, on consommait 10% tous les 20 minutes, donc ça fait 50%, donc ce sera la moitié des pneus à la fin. Du relais. Et hormis les 3 derniers tours, où il faut rajouter beaucoup beaucoup de précautions, notamment au freinage, ça va. Pour moi, en tout cas. Il y a 3 secondes derrière toi, le... Il y a 2 secondes. Oh putain. Il y a une seconde derrière. Fais gaffe, il y avait une voiture arrêtée dedans. Ah, je l'ai pas, j'ai pas eu de drapeau moi. Regarde sur les relatifs, tu vois normalement une voiture. Enfin, quand tu vois une voiture arrêtée, tu vois qu'elle perd beaucoup de temps. Ouais, je l'ai pas dit, je l'avais. Désolé. 5/10 derrière toi. Ah, je suis en vue TV2, donc c'est large, mais ça, c'est principalement vers l'arrière en fait. Je vois pas l'avant. Mais ouais, jette souvent un coup d'œil relatif, tu verras. S'il te plaît. Ah, derrière toi, il revient très fort, hein. Laisse-le passer dans la ligne droite. Soulage s'il faut. Ah, t'es tranquille, après c'est derrière, c'est à 8 secondes et on fait. Il voudra passer, il va être très sage parce que c'est lui qui a foutu Max en l'air tout à l'heure. Non mais je t'en mets, il va être sage.
Pour vous mentir, je me suis un chouï fait peur sur le 131. Ici aussi. On l'a pas vu. Si, si. Ah ouais, j'ai pas vu. J'ai très mal pris le 131. La chicane, ça allait, mais putain, le 131, qu'est-ce que je l'ai mal pris. J'ai raté mon point de freinage, simplement. Abandon du 23ème, je pense. Ok. Non, box du 23ème. Je sais pas ce qui se passe, mais je rate tous mes points de freinage. Concentre-toi, t'es tout seul. Enchaîne, ouais. C'est très bien. T'es en 2-3, c'est constant. Pour l'instant, travail 100% fini. Impec. Maintenant, il reste 31 minutes. Ok. Et 70 litres. On est bon au niveau de... Il y a peut-être de réfléchir à voir si on retire pas à peine d'essence et briques pour terminer. Pff, ça risque d'être très compliqué. Non. On a que deux tours de secours. Hein. Marche. Et au vu des chronos, il n'y a aucun intérêt à la réparer. Et Max Gipsy. Voiture à la sortie des box, attention. Okay. Je pense qu'il sera devant toi. Ouais. À droite. Clear. Il est très lent. Ok. Allez, tu dois pas te tracasser de ce qui se passe derrière, tu gagnes du temps. Ok. Tu as un leader qui te revient dessus à 2 secondes. Une seconde et demie pour le retardataire derrière, le leader, pardon. Une seconde, le leader. Quelle voiture ? Une voiture à une demi-seconde derrière toi. Une demi-seconde toujours. Il attaque à gauche. Clear. Clear. Ok, c'est bon, je suis là. Tu as désormais un retardataire derrière qui est le garçon que tu as doublé à la sortie des box et qui perd du temps. Donc tu n'as plus de voiture avant 10 secondes derrière toi, un autre leader. Merci.
laisse la main à Emery. Yep. Il te reste 27 minutes de relais et tu es exactement à 60 litres de carburant. Et le junior team fait un arrêt devant nous. Beaucoup de voitures sur 4 stops effectivement. Ce qui peut nous être favorable. Sachant qu'ils sont une stratégie à 4 stops. Hein. Ouais, et nous, 2, on verra bien. Voiture lente devant, à l'entrée de la chicane, il s'écarte dans l'échappatoire. Il s'est arrêté, passe à gauche, passe à gauche. Ok, il rentre dans les box par l'échappatoire. Ouais. Je sais pas si Emric l'avait vu, donc dans le doute je te l'ai dit. Non, avec la caméra je vois pas. Ok. Pour être franc, avec le grand écran, c'est écrit en tout petit. T'es tranquille, hein. Derrière toi c'est 10 secondes et plus. Derrière toi c'est à 7 secondes. Devant toi c'est rentre au box. Profitez pour moi vite Ayap, un chouïa. Alors qu'il y a un putain de feu d'artifice sur moi. C'est quoi ce bruit? C'est le feu d'artifice, ok tout va bien. Allez, te laisse pas surprendre avec les arrêts au box, t'es monté 24ème. Ça marche. Et tu as repris un tour au 23ème qui s'était arrêté. Tu retournes dans son tour. Souci chez les junior team parce que tu leur as pris un tour d'avance. Derrière toi c'est avec un tour de retard donc t'es tranquille. La saleté dans mon champ de vision c'est parfait, putain. Combien de temps il me reste? Reste 23 minutes pardon. Ok. J'ai bien l'horaire Max pour me prévenir quand m'arrêter. Alors info, le junior team a 11 minutes de réparation. Alors il te reste 52 litres de carburant. Il te reste 22 minutes 30 de relais. Et si tu penses aussi, pense-moi à me redire de t'arrêter tôt. De mettre la traction. Ok.
traction avant et... Enfin, pas traction, qu'est-ce que je raconte. J'ai compris. Je te dirai combien en temps voulu. T'as dit ? Je te dirai en temps voulu combien faut mettre. Pour le TC. Je mettrai tout TC ABS. Sache que j'ai terminé avec le TC à 7 et l'ABS à 8. Pour un petit rappel, pour voir un peu la marge que j'avais. Et moi je roule en 6-8, donc pas de soucis. J'ai un retardataire derrière à 1 seconde et demie, je me permets. Une ouais, seconde. Non, vas-y. 1 seconde. Ok. Attention, tu vas avoir 3 leaders successivement. Le leader de la course, tu as le 8, 9 et premier derrière toi à une demi seconde. Il va sans doute essayer de te passer. Choisis un côté, attention. Il passe à gauche. La deuxième voiture arrive. Et elle te passe à droite. Clear. Passé. Prochaine voiture, le leader à une seconde. Le leader glisse énormément. Qu'est-ce qu'il y a derrière ensuite ? Un leader à 5 dixièmes et un retardataire à 10 secondes. Tu as de quoi soulager à ton aise dans la grande ligne droite avant le 130R pour ne pas gêner le leader. Voilà. Attention, choisis un côté. Reste à gauche. Dépasser à droite. Il a compris. À ta hauteur. Clear. Prochaine voiture. Retardataire à 8 secondes. Dans quelle vue, Max ? Blimp. Ah ouais, putain. Comme ça, je vois ce qui se passe loin devant. S'il y a un problème. C'est l'endroit où on ne voit pas, c'est dans les droites des stands avec le complexe. Allez, c'est bien. 22ème, ça remonte. Bravo. Reste 20 minutes. T'as le temps. Deux tiers du travail, détends-toi, reste concentré, enchaîne, c'est parfait. Je vais mettre du TC parce que... À la fois. Non mais pas trop d'un coup, sinon ça va changer l'équilibre de la voiture, tu vas pas t'habituer. Quitte à faire demi-tour par petit... demi-tour par demi-tour. Je te laisse avec la main, Max. Ok, ça marche. Personne en sortie de box.
et il te reste 17 minutes de relais. Petite information de ligne droite, la voiture devant toi est à 2 tours du leader, tu es à 3 tours, et ensuite tous les autres sont à 1 tour. Donc, okay. Pas la peine de courir. Je suis le seul à être à 2 tours, ça ? Non, tu es le premier à 3 tours, et le garçon devant toi est le seul à 2 tours. Et derrière, combien de personnes à 3 tours ? Tout le reste, tous ceux derrière toi. Mais ils sont loin. Attention à la sortie des box, je peux pas vérifier. Bon. C'est clair. Il va faire des tours en 2-0-2-9. C'est très bien, c'est parfait comme ça, comme style. Mettre à l'écart avec la voiture derrière, donc pas de panique. Est-ce qu'on a de temps de relais ? 14 minutes. C'est pas rien, Brick ? 36 litres de carburant. Ok. Ça va le faire. Une avance de 4 secondes sur la voiture derrière toi qui est un retardateur. Ok. On va bientôt finir. Ah, vas-y. La prochaine voiture dont tu devras te méfier est à 8 secondes, c'est un des leaders. On va bientôt finir avec leur feu d'artifice, putain. Allez, toi aussi tu as bientôt fini, reste concentré, continue d'enchaîner, t'es en moins de 2 minutes 3, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on te demande. Attention, énormément de voitures au box. Voiture lente à droite, sortie des box d'une voiture, la jaune à ta droite. Une voiture jaune. Clampin. Dans le mur. Allez, tu as désormais derrière toi la voiture qui est en 10e position à 4 secondes et elle est en proie à du trafic. Donc roule, c'est très bien. Aux chansons, j'ai pas eu trop de trafic pendant mon relais. Vers la fin, je suis tranquille, je peux dérouler mes temps. Attention parce que derrière tu as une brochette de 4 pilotes et je ne sais pas comment ça va te revenir dessus, donc sois attentif. Viens-moi quand ils sont dans la seconde. Bien sûr. 4 secondes pour le moment la voiture derrière toi.
3 secondes entre toi et la voiture qui te suit. Devant toi, beaucoup de voitures au box. Attention, peut-être du trafic à la sortie de la pit lane. Pas de trafic à la sortie de la pit lane, pas de trafic. Ok. Voiture derrière toi à 2 secondes, c'est un leader. Voiture derrière toi à 1 seconde. Cinq dixièmes entre toi et la voiture qui te suit. Il va essayer de te doubler à droite. Il attaque à droite. Il est à droite. C'est clear. Prochaine voiture, 3 secondes, c'est un leader. Il te reste 30 litres de carburant et 10 minutes de relais. Voiture derrière toi à 2 secondes, c'est un leader. Personne à la sortie des box. Le dernier ravito. Derrière toi, tu as deux leaders séparés d'un dixième qui te reviennent et ils sont actuellement à 1 seconde 5 de toi. Donc il y aura deux leaders à laisser passer prochainement. Yeah. Du sous-virage dans les pneus. C'est ce que j'avais eu aussi en fin de relais, n'hésite pas à regarder au niveau de l'ABS aussi, ça peut peut-être te soulager, j'étais monté à 8. Les retardataires, ils sont 2 à 1 seconde. Cinq dixièmes. Tu peux rouler sans te tracasser le spoon, après tu pourras t'écarter, mais ils vont attendre. T'inquiète pas. Fais ta course, ils doivent patienter. Et il t'attaque à l'intérieur, il t'attaque à l'intérieur. Le deuxième va suivre, à l'intérieur, clear, clear, clear. Heureusement j'ai fait un coup de volant, sinon c'était mort. Prochaine voiture, retardataire à 5 secondes. Et il te reste 25 litres de carburant. Et 8 minutes, exactement 8 minutes de relais, donc 4 tours. Environ. Emeric, tu m'avais arrêté à l'heure ou vous m'aviez arrêté au carburant? Je t'ai arrêté à l'heure et enfin en fonction du carburant aussi quand même. D'accord. Toi t'étais tout pile donc. Vu que t'as plus l'habitude, tu veux reprendre pour gérer quand il doit s'arrêter ou pas? Ouais, mais je te laisse continuer pour le team. Okay. Ouais. Comment la Mercedes, elle avale les vibreurs devant. Ridicule. Allez, derrière toi, tu as un retardataire à 3 secondes et demie et 30e, et tu es dans le top 20. Très très belle performance.
Devant, il y a beaucoup de monde, mais ce sont des leaders. Donc les deux voitures devant toi sont les leaders qui t'ont dépassé, donc ils roulent très très fort. Et devant eux, c'est un retardataire qui est 40e. Quelle idée de faire un feu d'artifice de 15 minutes. Putain, ça me saoule. Concentre-toi, t'es presque au... Allez. Attention, ça attaque le retardataire devant toi. Il y a beaucoup de trafic, sois prudent. Derrière toi, pas de soucis, il n'y a rien. Attention, le retardataire ralentit, se met à droite. À droite, 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 clear, il a ralenti. Beau dépassement, bien joué. Il te reste 20 litres, 6 minutes. Voiture derrière toi, la prochaine qui va te dépasser est à 1 seconde 5. 3 tours, on dit 3 tours. Tout en comptant celui que je termine ou sans compter? Non, après. Il y a un changement au niveau de l'essence, je te fais rentrer avant, il y a un risque, donc pas de pression. Voiture, je te fais rentrer un tour avant. 5 laps of fuel, 5 laps of fuel. Personne ouais, à la pit lane. Et pas de pression si je te fais rentrer avant, pas de panique, c'est normal. Retardataire derrière toi à 2 secondes, c'est un leader. Pardon, Oh, vous êtes pas dessus. Alors, je préviens Emeric en même temps. Si tu vois sur le dashboard que c'est marqué TC off, c'est un bug. Hein, le TC est bien on. Ok. Dashboard, il est marqué map 12, donc pas de problème. Bon, en regardant dans la voiture, je mettrai 18. La voiture derrière toi est à 1 seconde et c'est un leader. 1 seconde derrière toi. Il est suivi ? Par un autre leader. Oui. Tu as 2 leaders à 6 dixièmes et à 1 seconde 6. Il est derrière toi et il t'attaque à l'intérieur. Ouvre ! Il y a le deuxième qui suit à l'intérieur avec une Z4. Putain, ils sont complètement cons. Allez, c'est clear, bien joué. Prochaine voiture, ce sont 3 retardataires à plus de 5 secondes. Ouais, je vois ce que tu veux dire par... par perte des pneus. D'accord, ok, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. N'oublie pas, rouler plus doucement, c'est peut-être perdre quelques secondes plutôt que beaucoup de temps. Il te reste 17 litres. 4 minutes de relais. Emeric, tu gères l'arrêt au niveau ouais, de ouais, ouais. On pour l'instant, encore 4 pneus, 120 litres. 2 tours normalement. Prenez-moi des mappings à faire. 6, 8 et 53, 3. En balance. Personne à la pit lane, personne à la pit lane. On semble les redire dans le dernier tour, Amérique, pas de soucis. Là, je surveille l'essence parce que ça arrive d'être juste. Viens-moi, box, hein. Ouais, t'inquiète. Ça va être juste au carburant. Je dirais quoi après spawn? 2 au lieu de 3 dans les briques. Quoi? 2 au lieu de 3 non? Ouais. Même là ce sera son dernier tour je pense. Après celui-là. Il consomme 4 en moyenne, il lui en reste 14 hein. Donc 4, 8, 12, 16.
14, mais c'est large. Il te reste 14 litres, à mon avis, il peut encore faire un après celui-ci. Il rentre un tour, ouais, ouais, c'est ça. Voilà, ok. Ouais, oui, c'est bon, c'est bon, pas de problème. Après celui-ci, t'en auras encore un, je crois. On est d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. On est d'accord. Okay. Mais je joue là extrêmement safe parce que. Ouais, ça glisse beaucoup. Et on te laisse tranquille, t'as plus personne derrière toi. Je te préviens juste, il y a un souci devant toi, mais derrière, tu ne dois pas te tracasser. Ok. The lead is pitting now. The lead is pitting now. Sortie des box, clear. Sortie des box, clear. Okay. Dernier tour. Aussi. Je rentre ce tour. Si tu vois de la fumée, c'est qu'il y a beaucoup de bagarres devant toi, mais derrière, pas de panique, personne. Alors. Il reste exactement une heure de course maintenant. Tu rentres à la fin de ce tour. N'oublie pas, l'arrêt au box est juste à droite après les rails. Les maps, les maps, les maps, les maps. 18, 53, 3. Attends, qu'est-ce que tu me dis ? 10, 8 ? 6, 6 en TC, 8 en ABS. 53, 3 en pression. C'est bon. N'oublie pas le limiteur. Attention au limiteur. Ici à droite, attention à droite, à droite, à droite. Emmerich. Après. Ouais. Emmerich, concentré. C'est parti. T'as bien mis à 53-3. Ouais. Emmerich, 60 litres dans la voiture de Remy. Ça continue de charger, visiblement, ils font le plein. 90. J'ai 30 secondes d'optionnel, je continue, je pars direct. Elle est comme neuve, en tout cas pour moi. 119, voilà, le plein est fait. Pneu avant droit changé. Pneu avant gauche changé. Arrière gauche changé. Arrière droit changé. Allez, je lâche le shift crew, je prends le spotting. Attention, tu vas avoir beaucoup de trafic à la sortie des box. Il y a une voiture qui va te doubler. Non, personne. Personne à la sortie des box à part la blanche à gauche. Voilà, clear. Tu viens de te faire doubler par le leader, donc tu es tranquille. Prochaine voiture, homme de tête, 13 secondes, roule.
leader est aux boxes devant toi, beaucoup de voitures au stand. Attention à la sortie des boxes. Une Mercedes qui sort devant toi, ensuite plus rien. Tu as un leader derrière toi à 3 secondes. Leader derrière toi à 2 secondes. Voiture derrière toi, une seconde. Voiture derrière toi, une demi-seconde. À droite, clear. Prochaine voiture à plus de 10 secondes. Personne à la sortie des box. Sortie des box clear. Devant toi, c'est un retardataire, il est derrière nous.
On m'entend. Oui. Pas à t'inquiéter de l'essence, tout va bien, aucun problème. Okay. 50 minutes, tu as fait 10 minutes, tu t'en sors très bien pour l'instant. Tu as derrière toi un homme de tête à 5 secondes. Personne à la tribune. Voiture derrière toi, revenue à 3 secondes. Sortie des box propres, personne. La voiture de tête qui te rattrape est désormais à moins de 2 secondes. Une seconde 5 entre toi et ton poursuivant. Une seconde entre toi et ton poursuivant. Trois dixièmes. Il attaque à gauche. C'est clear. Un leader à 4 secondes.
Gearbox. Voiture au ralenti devant. Passe à droite. Clear. Leader à une seconde derrière toi. Une demi-seconde. Il va t'attaquer. Toujours derrière. Attention à la chicane. Il passe à gauche, il passe à gauche, il passe à gauche. Clear. Prochain leader, 2 secondes derrière toi et ils sont deux en bagarre. Personne à la pit lane. Pour le temps, préviens-moi seulement quand à la demi-heure. Quand il reste une demi-heure. Okay. Il en reste 45. Derrière toi à une demi-seconde. Passe à droite. Derrière leader à une demi-seconde. Plonge, attention à gauche, clear. Prochaine voiture, leader à une seconde. Personne dans la pit lane. Une demi-seconde la voiture derrière toi. Il passe à gauche, il passe à gauche. Il passe à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Clear. Impeccable, Emmerich. Prochaine voiture à 2 secondes, c'est encore un leader.
Voiture suivante à 1 seconde. Demi-seconde entre toi et la voiture qui te suit. Il attaque à droite. Clear. Ah, je fais exprès de freiner plus tôt. Impeccable. Prochaine voiture derrière, 10 secondes. Sortie des box, clear. Personne à la sortie des box. Voiture au ralenti devant toi. Le 26e, attention. Et ça se stabilise, c'était pour laisser passer. Voiture derrière toi, hop de tête, 4 secondes. 80 litres de carburant. Attention parce qu'il a l'air un peu perdu devant avec son Audi. Personne à la sortie des boxes.
Tu as du temps, tu as du temps. Clear, clear. Voiture de tête derrière qui te rattrape à une seconde et demie. Derrière toi à une demi-seconde. Il est proche, il va attaquer à gauche, il plonge. Clear. Prochaine voiture à te dépasser à 5 secondes. Personne au box. Pourquoi j'ai vu box Andy? Non mais laisse tomber. Erreur, sorry, erreur. Il l'a déjà fait trois fois, t'inquiète pas Ebrick. N'écoute que ma voix. Leader derrière toi à 3 secondes. Une seconde et demie de la voiture derrière toi. Et c'est la Mercedes de tête. Une seconde. Une demi-seconde. Il va t'attaquer dans la ligne droite avant le 130R. Reste à droite, il est à gauche. Clear. Personne au box, prochaine voiture, le deuxième de la course à 10 secondes. La demi-heure est toujours pas passée? Il te reste une minute avant la moitié de ton relais, une minute. À quelques secondes près, tu y es. Après, s'il est possible de faire par tranche de 10 minutes. Bien sûr, comme tu Merci. Veux. Merci. Je serai ta voix, dis-moi ce que tu veux. Ouais, 10 minutes. Tous les 10 minutes. Très bien.
30 minutes. Il te reste 30 minutes. Voiture suivante à 7 secondes. Merci. Un peu moins de 70 litres de carburant. Voiture derrière toi à 6 secondes. Personne au box. La voiture derrière toi est à 4 secondes. Ah, c'est looping devant. Il est 6 secondes devant toi et il est 27ème. Voiture de tête qui te revient dessus à 2 secondes. 2 secondes 5. Un gros problème de frein dans ce virage là. 1 seconde 5 la voiture derrière, 1 seconde 5. On l'a tous. T'es dans le creux du relais, c'est normal. Ça va aller, ça revient très vite. N'hésite pas à ajuster l'ABS si besoin. Leader proche derrière à 6 dixièmes. Il va te passer dans la ligne droite certainement. Attaque à droite, il passe à droite, il est à ta hauteur. Clear. Le prochain leader est derrière toi à 6 secondes. C'est très bien ce que tu fais. Tu tournes en 2 minutes 3. Avec près de 80 litres, c'est très bien. Dans cette ligne droite, je t'informe que la voiture qui te suit à la régulière et au général est derrière toi à 7 secondes et dans le même tour. Tu as encore une voiture entre vous deux à 3 secondes 5, c'est un leader. Je vais pas prendre de risque hein, s'il revient. Il revient, mais laisse-le passer au pire, ça n'est pas grave. Il a peut-être encore un arrêt à faire, qui sait. Ouais, c'est pour ça que je la joue safe. Très bien, c'est ce qu'il faut.
Les 30 premières minutes, j'attaquais, là, c'est... Il t'en reste exactement 25. Voiture derrière toi à 2 secondes 5. Et adversaire passé de 9 à 6 secondes sur le dernier tour. 6 secondes. Voiture derrière toi à 1 seconde. Leader derrière toi à 1 seconde. Une demi-seconde maintenant. Proche, proche, il passe à gauche, il passe à gauche. Clear. La voiture suivante est une Ford GT rouge. C'est le 18e. Il est à 2 secondes 5 à la seconde. Des os pour le message. Devant une bière. Tu maintiens ton écart à 2 secondes 5 sur le garçon derrière toi. Très bien. Une seconde 5, la voiture derrière toi, une seconde 5. La numéro 7? Oui. Ok. Ah, il roulait fort. Il était parmi les derniers, il est bien remonté. Une seconde maintenant entre lui et toi, une seconde. Je pense que tu perds rien à le laisser passer. Hein, donc, non. Ah ouais, non, je prends pas de risque. Surtout qu'après, il n'y a plus personne de dangereux. À la vitesse où il revient, je peux rien faire. Ça sert à rien. Il est à 5 dixièmes. 5 dixièmes. Il est derrière toi. Il est très précautionneux sur les freins. Il va t'attaquer à la sortie de la chicane. Il va attaquer à gauche. Non. Laisse-le déboîter au pire avant là. Il passe à droite. Clear. Clear. Prochaine voiture à 13 secondes. Roule. Il te reste 20 minutes. 20 minutes de relais. 52 litres dans la voiture, n'oublie pas de vérifier ton ABS et ton traction control, on ne sait jamais.
Voiture arrêtée dans l'entrée des box. Je l'avais pas vu. Mec, il est à l'envers, quoi. Ça ne change rien pour toi. Voiture devant à 2 secondes. La Ford qui vient de te dépasser. Derrière, tu as désormais 12 secondes. Le sourire. Continue, tu es sur un excellent rythme, tu peux te permettre de soulager. Tu es en moins de 2 minutes 3 secondes au tour. Moins de 2 minutes 3, c'est très bien. À ce stade-ci, il te reste 18 minutes. Prends ton temps, on n'a rien à perdre derrière. Ton rythme sera le meilleur. La voiture qui est derrière toi a 5 secondes et la BMW en tête à queue qui était une voiture de tête et qui remonte. 5 secondes, elle maintient l'écart, elle ne reprend rien. Tu es en 2-0-2-0. Excellent dernier tour. Tu reviens sur Vincent devant toi, qui est à 2 secondes et qui est en retardataire. Voiture derrière toi à 3 secondes 5. 3 secondes 5. C'est rien. Ah mais y'en a eu un ou pas? Non. Moi j'en ai pas chez moi. Je sais pas où je le vois, mais j'en ai pas. Non c'est bon. J'en ai pas eu. En plus. Attention, Donald Olson est à l'arrêt devant toi, il rentre au box. Pardon, autant pour moi. Tu as 2 secondes d'avance sur le leader derrière toi. Reste concentré, tu tournes en 2-0-1-9, tu augmentes ton rythme, c'est normal que ça surchauffe. T'as pas besoin d'aller plus vite, même si c'est tentant. Garde la confiance en la voiture. C'est parfait ce que tu fais.
Derrière toi, le leader est revenu à une seconde. Il risque même d'attaquer à l'épingle. Attention, sois prudent. Bien joué. Je t'avais pas en visu, donc je ne t'ai rien dit. Prochaine voiture derrière toi à 14 secondes. 14 secondes. On est tranquille. J'aurais même servir de lion en ligne droite. T'inquiète, tu n'as plus rien à perdre derrière, ce ne sont que des retardataires. Désormais, la voiture devant nous au classement est à 7 secondes. 7 secondes, donc, hormis une catastrophe, on la ramène, c'est l'objectif, et on le tient très bien. Ah, j'aurais tellement voulu un 17 pour Andy. Ah, attends, c'est pas terminé. Reste zéro. Tu viens de descendre en 2 minutes 3, c'est très bien. Elle a pas rétrogradé, désolé. Pas de soucis. T'inquiète pas. Allez, il te reste 34 litres et 10 minutes dans ton relais. Tu es très bien, personne derrière. Personne derrière.
C'est bien, Emeric, tu gagnes du temps sur la voiture derrière toi. Petit message à Andy, regarde Facebook, s'il te plaît. Rien de grave. Ok. Allez, c'est bien, tu tournes en 2-0-2. C'est parfait, Emeric, il te reste 8 minutes 20. Il y a du monde devant, tu reviens sur deux retardataires qui sont à la bagarre, 25 et 26e. Sois prudent. Je te guiderai dans les dépassements, bien sûr. Oh, attention, vas-y à droite, pardon, c'est moi. Pardon, j'aurais dû me taire. C'est Clia. Emeric, il te reste 6 minutes et tu viens d'inscrire le meilleur tour absolu de la voiture sur cette course. 2 minutes 014, bravo. Il te reste 30 litres et 5 minutes de course. 5 minutes. La voiture derrière a 6 secondes, pas de danger. Ne t'énerve pas, tu as du temps, il n'y a personne derrière toi. Attends d'être sûr pour passer à ton aise. C'est pas fair play ce qu'il fait là. Il fait sa course, Emeric. T'énerve pas, c'est pas un pilote différent d'un autre.
si tu veux, reste derrière lui, tu n'as rien à craindre derrière pour le classement. Il te reste 3 minutes 30, bien joué. Ne te préoccupe pas, tu gagnes du temps quoi qu'il arrive, tu gagnes du temps sur lui, il va filer. Il reste exactement 3 minutes, donc encore 2 tours, je pense, un après celui-ci pour le leader. Arrêt au box pour l'Audi devant. Non, attention, l'Audi devant est un retardataire assez lent. Attention. Clear. Clear. Bravo Emmerich, bien joué. T'inquiète. Tu tournes en 2-0-2. Encore quelques kilomètres et ce sera nickel. Pas de problème. Pas de problème au niveau du carburant, tu as encore 20 litres. Il reste au temps officiel moins de 2 minutes. C'est bien, on est dans l'avant-dernière boucle. T'as 7 secondes devant toi. Derrière c'est Vincent et il perd du temps. Le prochain qui pourrait t'inquiéter est très loin. Pas de problème. On continue comme ça. Yes. Dernier tour. Drapeau blanc, il reste 30 secondes au chrono. Tu viens de tourner en 2-0-2-5. Fin du temps officiel. Voiture devant toi à plus de 2 secondes. Voiture derrière à plus de 3 secondes. Attention, voiture lente devant toi. Reste vigilant avec cette voiture qui est 28e mais qui pourrait s'avérer dangereuse. 1 seconde 5 entre elle et toi. S'écarte, clear, clear, clear. Derrière toi, tu as des voitures à 2 secondes. Aucun problème pour le dernier freinage. Aucun problème. Personne.
Dernière accélération. Et bravo, messieurs, drapeau à damier. Bien joué, les gars, bien bravo. Joué. Super boulot d'équipe. Super, 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 super. Bravo, Emeric, qui donc aura fait le record absolu avec la voiture, puisqu'on était en moins de 2,01. Je pense 2,01,4. Il a amélioré au 82e tour. On a fait 87 tours ensemble. Il reste 12 litres de carburant. Alors on va aller jeter un coup d'œil aux autres, évidemment, hein, puisque... Ah putain, on le dit, je voulais faire 17ème pour toi, putain. Mais j'y ai cru, j'y ai cru. Mais moi aussi, je voulais pour l'anniversaire et tout, mais... Ah là là, oui, parce qu'il faut savoir que demain, c'est l'anniversaire du garçon. Enfin, demain, il est minuit, donc techniquement, c'est après-demain, mais minuit. Ton anniversaire demain. Oh écoute, je pense qu'une 18ème place, en partant, je rappelle, 54ème sans qualification, on a été poussé deux fois dehors, je crois. Donc une fois, ouais, une ça fois, deux fois, deux fois. Ouais. Stratégie parfaite, deux arrêts bien gérés, belle gestion du trafic, Emeric et Andy, Constance impeccable, franchement bravo, pareil pour toi, franchement c'était ouf, c'est ce que je recherchais, je l'ai trouvé, les potes, l'endurance, c'est parfait. Ah bah écoutez, on se donnera rendez-vous à 24h, peut-être sous les couleurs d'une autre équipe, qui sait. Non, je déconne, évidemment, on n'a pas le niveau, bien sûr. Alors jetons un petit coup d'œil au classement. Alors je tiens à saluer la 331, le SRT eSport, qui est donc la voiture qui m'a, comme on dit dans le métier, qui a foutu attaquer. Alors, à Andy. Les gars, je voudrais pas dire, mais on est 16ème, pas 18. Hein. Ah ! Sérieux ? Est-ce que c'est pas la déconnexion ? Ah non, faut attendre la fin, ouais, faut attendre la fin de. Bon, finalement, ça va, moi je suis content. C'est pas mon anniversaire, mais c'est. Je la ramène au box pour être sûr, mais. Oui. Alors, au total, on a pris combien d'alertes sur les 25 autorisées ? Je crois 13 ? Je sais pas. Et bah, Emeric en a pris une. Moi j'en avais pris 7 je crois au total. Alors Emeric en a pas pris. Si si, il en a pris une je crois, non? Bah j'avais un doute, c'est pour ça, mais je pense pas que j'en ai pris. Non, pas. Non, on a fait 11 sur 25, j'en ai pris 4 et du coup t'en as pris 7. Bah du coup oui, on est classé 16ème. En partant 54ème, désolé, je le répète, on est peut-être à 4 tours des leaders. Ils sont combien? Ils sont 6 dans le tour du leader. Et je cherche les autres équipes PLM, mais je trouve pas. Alors, je sais pas où elle termine, ouais, je vois pas. On est première équipe PLM en tout cas. Junior Team 24ème et l'autre Junior Team, ils ont eu des soucis, je crois, avec Jeff. Ouais, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a pas eu trop de problèmes. Les voitures ont bien roulé. Enfin, la voiture a bien roulé, on a pas eu trop de soucis. Je trouve pas la deuxième. Ça va faire un beau souvenir la vidéo que je vais faire normalement. Et puis je peux vous dire que moi aussi j'ai tout en vidéo webcam, je voulais pas vous le dire avant. on pourrait faire un truc à deux, incroyable. Bon, bien, voilà. Bon, par contre j'ai 77 gigas de vidéo. Putain. Pour les 3 heures HD 1060. Alors, faut savoir qu'il y aura, là, deux, c'est bon, là. Il y aura deux vidéos qui seront publiées. Il y aura un résumé qui sera un épisode de l'aventure iRacing avec mon stint, juste mon heure de course, la première. Et ensuite, dans la description, je vous mettrai un lien vers la vidéo complète, la VOD, que je vais commencer à uploader maintenant pour 2033, avec les 3 heures de course, les relais où on mange, on boit, on croise les doigts, on dit des bêtises, on vous montre le téléphone, etc. Bravo, messieurs, c'était notre toute première course d'endurance en relais. On avait quasiment... On s'est entraîné quoi, 2 heures ? Et je passe en A aussi. Double pump et lop. Je vais donc sauvegarder quand même le replay, ce qui va me prendre 117 minutes. Par contre, le seul bémol, c'est que je me suis quand même cassé la nénette à vous faire un joli skin qui n'a pas été repris. Ouais, ça c'est con ça. C'est peut-être un souci du jeu, peu importe. En tout cas, le résumé de tout ça, voilà, elle est là. Elle est juste là, la voiture que j'avais décorée sur l'overlay du coup. Je suis toujours à 3,74 ou j'y étais déjà, je ne sais plus du coup. Moi je suis passé en A, mais je suis toujours en B à 3,89, donc ça va se faire. Bah écoutez, moi ça n'a pas bougé, non, 1512, généralement les deux bougent en même temps. Donc on va essayer de découvrir ça, de toute façon je vous mettrai avant et après le rating dans la description. Je vais demander à Emeric et Andy de dire au revoir, je vais faire l'intro et je coupe la VOD. Au revoir, salut. Oh putain.